Next is a conference on the history of Buddhism in archaeological perspective by Professor Dr. Srimalai Tarsi, who is an international renowned archaeologist from Afghanistan. He directed the excavations in Buddhas of Bamiyan and Hadda. He is also in the aftermath of the terrible destruction of the Buddhas of Bamiyan, Swiss filmmakers, venture of Afghanistan's Bamiyan Valley with him to comprehend the destruction and study the history of the legendary statues. Today he will be giving the lecture in the topic of history of Buddhism in archaeological perspective. ในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดีโดยศาสตราจารย์ดร.เสมยาลัยทาสีนะครับซึ่งท่านก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักโบราณคดีเอกของโลกอีกผู้หนึ่งนะครับมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโบราณคดีและการรักษาอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของอัฟกานิสถานแล้วก็ได้ทำงานนะครับในตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยสตาร์เบิร์กและทำหน้าที่ผู้อำนวยการในภารกิจทางด้านโบราณคดีของฝรั่งเศสที่บามิยันอีกทั้งยังเป็นผู้แทนของฝรั่งเศสในการสื่อสารกับสำนักอิตาลีแห่งแอฟริกานะครับและบูรพาทิตครับในขณะเดียวกันนะครับท่านก็ให้เกียรติกับสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยอย่างต่อเนื่องนะครับในการบรรยายเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในมุมมองของนักโบราณคดีขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ Let's give a round of applause to welcome Professor Dr. Srimalai Tarsi on the stage please สำหรับท่านที่รับเครื่องแปลมาแล้วก็สามารถที่จะใส่หูฟังได้เลยนะครับโดยท่านจะบรรยายในภาคภาษาฝรั่งเศสนะครับและมีทีมงานแปลเป็นภาษาไทยครับ The organizing committee also provide a simultaneous translator headphone in English and French for the next session. Please don't forget to turn on your earphone for you know, to get the translation in English and French. ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดังไหนสักครั้งหนึ่งนะครับMerci le grand vénérable Lan Pao. Sans autorité, un tel événement n'aura pas eu lieu. Je remercie également le vénérable Sodamo, mon maître de méditation, et je le remercie de ses encouragements. Les vénérables ici présents, mesdames, messieurs,D'après les légendes, une partie de la contrée d'Ariana, qui correspond à l'Afghanistan actuel, avait déjà eu de contact avec l'Inde bouddhique du temps de Bouddha Shakyamuni. Il est dit dans le récit du Huangshang que pour apaiser les méfaits de Nagagopala, qui habitait une grotte profonde et humide,Situé au sud-ouest de la ville de Nagahara, l'ancien capitale de la région de Jalalabad, et qui détruisit les récoltes des gens du lieu, alors le Bouddha Shakyamuni est venu par les airs en personne afin de dissuader le Naga d'être maléfique et pour surveiller Bouddha, il laissa son ombre. D'après une autre légende, les deux célèbres marchands, Trapucha et Balika, eurent mission de la part de Bouddha d'apporter des saintes reliques à Bactre, la capitale de l'antique Bactriane, qui se trouve au nord de l'Afghanistan. De plus, la tradition bouddhiste fait de l'Afghanistan oriental un lieu privilégié où le Dipankara Jataka s'est déroulé, relatant la rencontre du futur Bouddha Shakyamuni.Méga, avec Dipankara, l'un des Bouddhas primordiaux. Je reviendrai à ce sujet quand je traiterai le règne d'Asoka ou la sculpture de l'école
Kabul-Kapisa dans quelques instants. À la lumière des textes historiques et des fouilles archéologiques, il est peu probable que l'expansion du bouddhisme avant le souverain Maurya Ashoka en Afghanistan puisse être prouvée. Avant d'aborder l'expédition d'Ashoka en Afghanistan, il est indispensable de comprendre la genèse de l'art bouddhique dans le nord-ouest de l'Inde, comprenant le Pakistan, le Cachemire, l'Afghanistan et surtout l'art grec-bouddhique de Gandhara et d'Oada, de remonter dans le temps à l'expédition d'Alexandre le Grand et aussi à la rencontre entre deux mondes, grec et indien, au temps de Séleucos Nicator et le premier roi indien Chandragupta, le fondateur de la dynastie Maurya. Cette rencontre militaire se termine par un traité de paix. L'empire séleucide de Séleucos Nicator, en échange des éléphants de guerre, cède plusieurs satrapies dont Gandhara, Kapisa, Arakouzi, Kandahar et probablement Gedrosi, Balochistan. Ainsi, l'Inde déborde sur le plateau iranien et la route des satrapies s'ouvre grandement aux trois premiers souverains Maurya, Chandragupta, son fils Bindusara et son petit-fils Ashoka. La conversion d'Ashoka au bouddhisme innove une autre route, une voie spirituelle pour la transmission du bouddhisme, la religion du bienheureux empruntée par les missionnaires et les pèlerins. Nous savons qu'Ashoka, durant la huitième année de son règne, suite à la grande guerre lors de la conquête de Kalinga, fut saisi du remords devant son armée, devant son amère victoire qui avait abouti à 150 000 déportés, 100 000 tués et plusieurs fois ce nombre de morts. Cette catastrophe avait durement éprouvé les habitants, surtout les brahmanes, les bourgeois croyants et les pieux. Ashoka décida de substituer le règne de Dharma à celui de la violence et devint un fidèle laïque, c'est-à-dire Upasaka. 10 ans après son sacre, il est parti pour l'illumination, inaugurant la tournée de la loi Dharma Yatra, avec audience, prédication et distribution d'or aux religieux et aux vieillards. Pour faire grandir et protéger la pratique de la loi, Ashoka ordonna de graver sur pierre, rochers, colonnes et autres monuments des édits dans des langues locales des régions de son empire. L'occasion ne s'y prête pas aujourd'hui afin de vous détailler ces idées qui sont au nombre de 36 environ. Vous inviterez un spécialiste dans ce domaine comme professeur Harry Falk pour consacrer plusieurs conférences à ce vaste sujet. Dans le cadre de l'intitulé de ma conférence, j'ai le plaisir de vous parler des 6 édits ou inscriptions gravées sur ordre d'Ashoka sur le sol afghan. En effet, 3 d'entre eux ont été découverts dans la zone intermédiaire entre l'Armon, l'Ampaka et Jalalabad Nagahara, à Darunta précisément. Ces 3 inscriptions sont gravées en araméen, une langue ancienne de l'Occident, transmise sans doute par l'administration achéménide. En revanche, les édits d'Arakouzi sont gravés en araméen et grec, dont un grand bilingue grec-araméen traduit, étudié par les savants italiens et français. Il s'avère que la version araméenne légèrement plus développée est plus proche des textes des inscriptions indiennes. Par contre, la version grecque plus abrégée est rédigée dans une langue littéraire grecque de haute qualité. Mais ce qui ressort de la lecture du bilingue de Kandahar, il est évident que sa date de réalisation se confond avec la 10e année du sacre d'Ashoka, c'est-à-dire en 258 BC. Or, nous savons que les dits les plus anciens d'Ashoka,
La première inscription de Barabar sur le sol indien proprement dit est datée de 256 BC. Il est intéressant de constater que d'une part, par les édits royaux se propage de l'ouest vers l'est, et d'autre part, l'araméen duquel est dérivé l'alphabet Kharoushti était une langue et une écriture également d'Occident. Sans parler de toutes les dates marquantes du règne d'Ashoka, limitons-nous à ses visites des lieux saints du bouddhisme. Nous savons qu'en l'an 14 de son règne, il agrandit de double le stupa du Bouddha Konakamuni à Nigalisagar. En l'an 20 de son sacre, Ashoka visite le jardin de Lumbini, le lieu de naissance du Bouddha, et rend hommage pour une nouvelle fois au stupa de Konakamuni. Nous savons, grâce aux fouilles du XXe siècle, qu'Ashoka avait ordonné la construction de plusieurs stupas sur les saintes reliques du Bouddha dans le nord-ouest de l'Inde. Je cite comme exemple le grand stupa du site de Budkara I dans le Swat et aussi à Taxila, celui de Dharma Rajika Stupa. En ce qui concerne l'Afghanistan, nous ne connaissons pas avec exactitude si Ashoka est allé personnellement dans la région de Jalalabad, oui, ou s'il avait ordonné la construction des trois stupas construits sur les trois lieux de déroulement du Dipankara Jataka au sud-est de l'ancienne Jalalabad Nagara. Le premier de ces stupas fut construit sur l'emplacement du lieu où le jeune étudiant brahmanique Mega acheta des fleurs de lotus. Le deuxième stupa fut construit à l'endroit où Mega lança en hommage des fleurs sur Dipankara, Bouddha de l'époque bien sûr. Enfin, le troisième stupa fut érigé à l'emplacement où Mega étendit sa longue chevelure sur les pieds du Dipankara afin de les protéger de la boue. Le quatrième stupa construit dans la région de Jalalabad par Ashoka fut celui qui indiquait la grotte de l'ombre de Bouddha de laquelle nous venons de parler ici il y a quelques instants. L'intérêt que portait Ashoka au nord-ouest de l'Inde est évident, puisqu'il fut du temps du règne de son père, Bindusara, le vice-roi de Taxila. Cette approche d'Ashoka au monde achéménide et hellénistique lui permit d'introduire la technique de la taille et du polissage de la pierre en Inde, sans oublier l'apport de l'ordre persépolitain franchement visible dans les colonnes d'Ashoka. Après le règne d'Ashoka, l'influence de l'Inde bouddhique s'amenuisa en Afghanistan. C'est plutôt les Gréco-Bactriens qui dirigeaient le pays. Quand ces derniers traversent l'Inde Kush du nord vers le sud et qu'ils envahissent militairement l'Inde jusqu'à Mathura, les savants les désignent d'Indo-Grecs. Nous ne savons pas si du temps de ces Grecs de la Bactriane au Gandhara et au Taxila, des monastères bouddhiques étaient en construction. Cependant, l'un des rois grecs, un certain Menandra ou Milinda, qui régna entre 160 BC et 135 BC et qui poussa ses conquêtes de l'Afghanistan jusqu'à Mathura, D'après la tradition, suite à la rencontre avec un moine philosophe, un certain Megasena, Menandre s'est converti au bouddhisme et atteint un haut degré spirituel. Les entretiens de Milinda et Nagasena furent rédigés en pali sous l'intitulé Milinda Pana, les questions de Milinda. Malgré ce progrès, la conversion d'un roi grec de l'Afghanistan au bouddhisme, il faut attendre le premier siècle avant Jésus-Christ pour avoir l'évidence de la preuve matérielle de la présence de l'art bouddhique au nord-ouest de l'Inde et à la porte de l'Asie centrale. Il faut attendre le 1er siècle BC pour qu'une pièce de monnaie
commémorative frappée sans doute sous les sakas, découverte à Tolatapa, près de Chebelron, au nord de l'Afghanistan, dévoile pour la première fois l'image anthropomorphe du Bouddha. Avant cette date, les monuments bouddhiques de l'Inde, tels les célèbres stupas de Bharut et de Sanchi ou ailleurs, le Bouddha Shakyamuni était représenté par des symboles, tels le Bouddha Padas, les empreintes de pieds du Bouddha, le trône vide, l'arbre de la Bodhi, ou un cheval sans cavalier, mais protégé par un parasol lors de grands départs, par exemple. Il fallut attendre l'ascension de la dynastie des grands couchants pour que l'art bouddhique devienne officiel, et force est de constater qu'un nombre important de monastères était en construction. Les savants attribuent la création de l'image du Bouddha sous les traits d'un être humain à l'art grec bouddhique de Gandhara et sous l'impulsion bienveillante du roi Kanishka. Mais à la lumière des fouilles relativement récentes, dans le Swat et la découverte des monnaies de Tolatapa, nous savons que les premières représentations de l'image du Bouddha datent d'avant les couchants. Les fouilles afghanes de Tapé Maranjan III dans la ville de Kaboul dans les années 80, dont je suis chargé de leur publication, montrent très clairement que déjà le premier souverain couchant Kajula Katvizes avait contribué à la construction d'un stupa sur le site kabouli de Tapé Maranjan. D'un autre roi couchant sans nom, mais pourtant le titre de Sotermegas, qui régnait avant Kanishka, nous avons plusieurs donations pour la construction des stupas. Récemment, les fouilles françaises de la DAFA à Bakre dans les années 2000 ont découvert un stupa contenant uniquement des pièces de monnaie de Sotermegas. Cependant, il y a peu de preuves que Vimalakatvizes, le prédécesseur du roi Kanishka, ait contribué à la construction des monastères bouddhiques. À la lecture de ces pièces de monnaie, il ressort que ce souverain se vouait davantage au culte de Shiva. Avec le célèbre roi couchant Kanishka I, le bouddhisme prend un essor fantastique puisque l'effigie du Bouddha Shakyamuni, qu'elle soit debout ou assis, apparaît sur une trentaine d'émissions numismatiques. Il agrandit, restaure des anciens stupas, construit des plus grands encore. Il protège des écoles artistiques. Il construit souvent des villes souvent entourées de nombreux monastères. Il développe l'art de Mathura, de Taxila, de Swat, du Gandhara, du Hadda, de Nagahara, de Kaboul, de Kapisa, de Ghazni, de Kunduz, de la Bactriane, comprenant la région de Bakh, d'Elvargin, d'Elvarzin, Termez, Karatapa, Fayostapa, etc., etc. Je ne voulais pas citer tous les sites de l'Inde et de Pakistan et de l'Afghanistan et de l'Asie centrale et ceux en direction de la Chine. Les arts bouddhiques de Gandhara, du Swat et de Kaboul et Kapisa créent des chefs-d'œuvre dans la pierre schiste locale. Le Bouddha apparaît sous le trait de l'Apollon grec, habillé du manteau grec pour les savants croyant à la présence d'un art grec bouddhique, et de la toge romaine pour ceux qui défendaient la théorie de l'existence de l'art romano-bouddhique. N'importe les théories, ce qui est sûr, c'est que l'art bouddhique sous les couchants combinait les acquis hellénistiques de la Bactriane et le courant artistique venant d'Alexandrie grecque sous la domination romaine. Les images de bodhisattvas, surtout de l'école de Peshawar, nous montrent le luxe et l'opulence des princes et de l'aristocratie locale. On a mis sur le compte du mouvement Mahayanis la raison de la création de l'image du bodhisattva. Cela est vrai en partie, surtout quand on voit la représentation. Surtout qu'on voit la représentation
de Bodhisattva Avalokiteshvara avec l'effigie du Bouddha Amitabha ornant son turban comme dans la sculpture gandharienne. Malgré la similitude apparente de l'art de schiste dans l'Empire Kushan, les artistes fortement influencés par le monastère proche étaient créer des scènes iconographiques selon les conceptions les plus ou moins différentes en relation avec des principes et les enseignements des sectes qui géraient les affaires religieuses. Non. Il y a quelque chose qui manque. Je prends ici l'exemple du miracle de Sravasti. En effet, au Gandhara, plusieurs reliefs montrent la phase de ce miracle où le Bouddha est assis sur une fleur de lotus qui se hisse de l'eau vers le ciel. Dans ces scènes gandhariennes, Bouddha Shakyamuni est flanqué de deux bodhisattvas, Maitreya et Siddhartha, ou Avalokiteshvara et Siddhartha. La même scène est représentée au Swat où on voit les flammes émanant du haut du cœur et des faisceaux d'eau de ses pieds, une représentation presque naturaliste d'une autre phase de ce miracle. La même phase est reprise par l'école de Kabul Kapisa où plusieurs fois cette scène est représentée d'une manière légèrement différente. Les flammes ne masquent pas le tout du haut du cœur, elles sont réparties sur les épaules afin de dégager la tête de bienheureux qui apparaît paisible aux visiteurs avec une certaine frontalité. Quant au faisceau d'eau, ils jaillissent également du bas des pieds. Dans cet art de schiste, beaucoup d'innovations ont été faites en dehors des représentations des statues du Bouddha et du Bodhisattva. Les grandes phases de la vie du bienheureux, de la conception à la naissance jusqu'à Parinirvana, orner les stupas. Les fidèles, en contournant ces monuments par la droite, observaient avec vénération les différentes phases successives de la vie de Bouddha. Le choix des scènes iconographiques changeait d'une région à l'autre, mais l'ordre chronologique des événements était toujours respecté. Il en était de même pour le choix des mudras qui changeaient d'un pays à l'autre. Dans la sculpture en schiste, la mudra qui prédominait, c'était Dharma Kakra Mudra, celle de la prédication ou de l'enseignement, et le Dhyana Mudra, celle de la méditation. Ensuite, on voyait l'Abhaya Mudra, absence de crainte, avec seulement la main droite, et Vitarka, celle de l'argumentation aussi avec la main droite. Quant au statut du bout de Gandhara, la mudra courante était soit en Abhaya Mudra, soit en Vitarka Mudra, argumentation ou discussion. Tous ces deux exécutés uniquement de la main droite. Quand au Bouddha debout de Kabul Kapisa, sont en Abhaya Mudra de la main droite seulement. L'une des mudras très importantes dans le bouddhisme du sud-est asiatique qui est la Bhumisparsa Mudra, geste de la prise de la terre à témoin, était très rarement représenté au Gandhara et en Afghanistan. N'oublions pas de dire que dans cet art de schiste, la plupart de la représentation des donateurs couchants est assez importante. Ici, je vous montre quelques images de ces rois, princes et aristocrates habillés de leur costume d'origine des steppes de l'Asie centrale. En plus des sculptures en schiste, Ada produisait des sculptures en calcaire d'une très grande qualité. Ici, je vous montre quelques reliefs provenant des fouilles françaises et de mes propres fouilles de Tapeshotor. Il y a un beau relief fouillé par William Simpson au XIXe siècle à Ada et qui est actuellement au British Museum, en haut à gauche sur l'écran. Parallèlement aux sculptures en pierre, l'art bouddhique de Nord Ouest de l'Inde, et plus particulièrement Ada, nous a livré un modelage en argile d'une très haute qualité artistique qui dénote une grande influence de l'enracinement de l'art hellénistique. Dans ces domaines,
Le site de Tapé Chotel nous montre un art bouddhique raffiné d'une technique parfaitement maîtrisée. Plus de 60 niches de Tapé Chotel furent ainsi décorées en haut relief, animant des personnages des scènes iconographiques généralement représentées, les scènes de la vie du Bouddha. La niche numéro 13 de Tapé Chotel Dwada est unique dans ce genre. Pour la première fois, on ose représenter une sculpture en argile en rang de bosse. C'est une niche qu'on appelle aussi la niche aquatique, représente l'épisode de la veille de la Bodhi quand Naga Kalika prédit le triomphe imminent du Bodhisattva à l'illumination et le loue avec des stances. Pour ne pas trop tarder au sujet des modelages en argile de Tapé Chotel, je monte les niches V1, V2 et V3. La niche V1, dans la plupart des fragments furent ramassés sur place, a pu être restaurée par moi, une restauration qui a pris pas moins de 3 ans. Il monte au centre, assis sur un socle, le Bouddha Shakyamuni, drapé d'un samgati qui recouvre les deux épaules, dont les plis sont traités avec savoir-faire. À sa droite, nous voyons un bodhisattva typiquement gandharien. Dans l'angle nord, une jeune donatrice Kushan, et en haut, un Bouddha en méditation et le dieu Brahma reconnaissable à sa luxuriante chevelure et aussi au mouvement de sa main droite, tandis que de la main gauche, il tient un petit vase à eau. J'ai daté cette niche du 2e siècle AD, contemporain des sculptures des niches du Gandhara. La niche B2. Je vous montre le Vajrapani représenté sur les traits d'Héraclès grec. Pour changer l'aspect du héros grec, l'artiste bouddhiste a seulement remplacé sa massue d'Héraclès par un Vajra. Également appartenant à la niche V2, la déesse Arethi est la copie exacte de la déesse des cités et de l'abondance grecque-romaine. En tout cas, elle est habillée de la robe grecque et tenant la corne d'abondance de la main gauche, tandis que de la main droite, elle est en train de jeter des pétales de fleurs sur le Bouddha. Dans la niche V3, je vous montre seulement son angle nord, ou au-dessus des moines sur les saints qui écoutaient Bouddha lors des serments au parc aux gazelles de Benares. Ce personnage est également Vajrapani, mais sous les traits des traits d'Alexandre le Grand. Cet exemple montre sans ambiguïté que l'art hellénistique en général, et plus particulièrement celui de la Bactriane, ont franchement contribué à la formation de l'art bouddhique du nord-ouest de l'Inde, l'Afghanistan et Pakistan, berceau de la création de l'image du Bouddha. Avant de terminer, discuter du modelage en stuc, avec votre permission, je m'attarderai en image sur l'art de portrait en argile de Tapé Chotel de Hadda. Vous voyez les têtes des moines choisies et aussi peut-être celles des disciples directs et aussi de quelques donateurs couchants qui ont contribué à l'aménagement de ces remarquables niches. Du temps de la dynastie Kushan, 1er et 3e siècle AD, nous n'avons pas beaucoup de vestiges bouddhiques au nord de l'Hindoukouche. Les monastiers de Bactre ne sont pas suffisamment fouillés pour qu'ils livrent leurs richesses. Et pourtant, il y avait de nombreux monastères bouddhiques signalés par la haute silhouette de leur stupa. L'un des monastères très célèbres fut Nau Bahor, nouveau Vihara, avec son grand stupa, vraisemblablement le Tope Rostam, fouillé par Alfred Fouché en 1923, qui nous laisse un remarquable dessin restitué qui représente le dernier état de Tope Rostam, un agrandissement et une restauration effectuée par les Turcs occidentaux au VIe siècle. Sinon, on analyse les monuments bouddhiques de Nord-Afghanistan. Je mettrai en tête de liste
le stupa rupestre et inachevé d'Aïbak dans le Samangan, qui était commencé dans la pure tradition des stupas indiens d'avant l'ère chrétienne. Ensuite, je me rendrai à Kunduz, où avant la Deuxième Guerre mondiale, les archéologues français de la Dafa avaient fouillé un monastère bouddhique qui avait laissé une belle sculpture en stuc. Sinon, je peux signaler la présence d'un petit monastère au nord-ouest de Bakht sur le site de Delbergine, fouillé par une mission afghano-soviétique dont j'ai assumé la présidence. Mais le monument bouddhique le plus énigmatique du nord de l'Afghanistan, appelé la plateforme bouddhique, se trouve au pied du temple dynastique Kushan de Sorkotal, fondé par Kanishka Ier. Les pilastres et les chapiteaux de la plateforme bouddhique sont tout à fait semblables à ceux du temple de Sorkotal, toutefois avec une petite différence, puisque les chapiteaux de la plateforme bouddhique, sur les chapiteaux de la plateforme bouddhique, il y a des indices prises dans le répertoire de l'art bouddhique, le turban du bodhisattva et des personnages dans les positions et les gestuels également bouddhiques. La dynastie des Kushans, des grands Kushans, succombe devant l'armée perse sassanide de Shapur Ier, 241-272 AD. Malgré des avis contraires, je pense que la plupart des monastères bouddhiques de l'Afghanistan furent détruits. Les Sassanides mirent fin à la production de sculptures en pierre, schiste et calcaire. À part quelques souverains couchants qui continuèrent à régner dans l'est du pays, la grande superficie de l'Afghanistan fut gérée par des sous-rois couchants à la solde des Sassanides, qu'on appelle des Kushano-Sassanides. Petit à petit, par souci d'indépendance, ils restaurèrent les monastères bouddhiques jusqu'à l'indépendance totale vers la fin du IVe siècle, obtenue par le roi Kidara. La période de ce dernier roi est définie par moi comme une renaissance artistique, surtout dans les monastères bouddhiques. Nous constatons le rephénomène de Kidara à Ada, à Kaboul et à Messaïnak, et surtout à Bamiyan, puisque j'ai trouvé de ce monarque 5 pièces en or dans la galerie A9 du monastère royal. Cette deuxième grande période bouddhique se traduit par un effort de construction de petits stupas votifs. Si dans certaines régions comme au Kapisa, à Kaboul et à Messaïnak, ces stupas sont généralement construits en lamelle de schiste, Ada et aussi peu à Messaïnak, les lamelles de schiste sont mélangées avec des blocs de calcaire jusqu'à la domination du calcaire constatée par moi à Ada. Ces petits stupas sont ceux qui ont été bâtis à l'air libre, ont été recouverts d'enduits de stuc à base de chaux résistant aux intempéries. Ils étaient recouverts d'un modelage de stuc également à base de chaux qui représentait des images de Bouddha, de Bodhisattva et d'autres personnages et génies complétant des scènes iconographiques bouddhiques. Deux siècles s'illustraient alors dans le monde bouddhique de 3e au 5e siècle AD, Taxila et Ada. C'est de ce dernier site afghan que je vous dirai quelques mots, d'abord sur le modelage en stuc qui ornait ces stupas, ensuite des inscriptions sur vase et à la fin de la grotte, de méditation de Tapeshotor, un monument très important pour une meilleure compréhension du bouddhisme avant l'arrivée de l'armée musulmane. Les modelages de Taxila furent découverts par les archéologues britanniques au 19e siècle et 20e siècle, tandis que les stucs de Ada furent fouillés par les archéologues français de la Dafa, par les messieurs Godard, Fouché et surtout Bartou, dans les années 20 du XXe siècle. Les archéologues japonais de l'université de Kyoto, sous la direction du professeur Mizuno, ont fouillé dans les années 60 du XXe siècle AD le site de l'Alma qui se trouve au sud-est de Ada. Les fouilles les plus importantes sont l'œuvre des archéologues afghans qui ont fouillé dans les années 60 et 70 du XXe siècle AD, les sites de Tapeshotor et Tapetopekalon, sous la direction de Mustamadi et moi-même Tarzi.
Les archéologues français ont fouillé 500 stupas sur le site sur 1000 annoncés par Yuan Song. Les Japonais, une vingtaine, et les archéologues afghans ont fouillé et restauré une cinquantaine. Le site de Tapeshotor, une fois restauré, fut transformé en un site muséum. Environ 12 000 à 15 000 objets, dont un grand nombre pourcentage en stuc découvert par Bartou, dont à peu près 33 000 furent sauvés d'après les premiers pillages dans les années 20 et dans les années du XXe siècle et furent partagés selon une convention signalée ou signée par la France et l'Afghanistan. La part qui revenait aux Afghans se trouve au musée de Guillemets, aux Français se trouve au musée Guillemets à Paris, dont les pièces maîtresses sont exposées. De la part qui revenait aux Afghans, il ne reste que peu de choses. Elle a fait l'objet de plusieurs destructions et pillages. Leur premier pillage fut celui de Koti Barcha dans l'ancien palais royal. Le deuxième, le pillage, est celui de la dernière guerre civile, quand le musée de Kaboul fut pillé. Et une grande partie des objets vendus à partir de la ville de Peshawar au Pakistan. Le troisième pillage est destruction et l'œuvre. Pour s'attarder un instant sur quelques pièces de stuc de Hadda, nous constatons que ces stucs de Hadda s'intègrent dans la phase artistique la plus vaste de l'art bouddhique du mondial. Cet art est une combinaison harmonieuse de l'art de l'image du Bouddha légèrement symbolisée, tel un subtil mélange de l'Inde acquis et hellénistique. La schématisation de l'ondulation de la chevelure de Hadda définit le dessin de base de la transmettre à l'Asie centrale, à la Chine, et voire même au Japon. À côté d'un travail presque académique, Hadda annonce la que j'ai souvent comparé avec les grands maîtres de modelage comme Augustin et Médard Torosso. Et malheureusement, si vivace de Hadda perd de sa force d'expression de plus en plus grande. Les stupas et les châtas sont les images stéréotypées. En stuc, des fouilles afghanes se trouvaient en place sur les stupas. Les textes sont nombreux, mais je vous présente ici quelques-uns seulement. En stuc, j'ai construit un modelage en stuc à base de plâtre à base d'argile. Le nombre de plus en plus de stupas, sans doute de plus de 1500, a été mis sur le progrès du bouddhisme mahayaniste. Or, les inscriptions à l'encre de Chine écrites sur des vases en céramique trouvés par moi à Tapeshotor ou par les Français qui en carolingien ou en brahmi et généralement dans la langue prakrite, les monastères de Hadda, jusqu'à preuve du contraire, appartenaient de la secte Sarvastivadine. Je mentionne toujours les formes de croyances bouddhiques en Afghanistan ne précise pas celle de Hadda. Je suis le voyage du Hansan en Afghanistan. En premier lieu, il parle de royaume, ça veut dire Bactre, autrement dit de la Bactriane. Il dit qu'à Bactre, Balkh actuel, il y avait une centaine de couvents, environ 3000 religieux, tous étudiaient la doctrine Hinayana, de Nava Sangha, de Sainte qui appartenait à lui-même. Et entre autres, il précise que dans les monastères, le nombre du stupa votif dépassait plusieurs centaines, qui se trouvaient extrêmement rapprochés les uns des autres. J'ai insisté sur ce renseignement
du Hyansang pour dire que le nombre de plus en plus grand des stupas votifs n'est pas spécifique au bouddhisme mahayaniste, comme on le lit ici là. Nous savons que les peintures murales de Bamiyan représentent des compositions picturales s'inspirant de mahayanisme. Et pourtant, grâce à Hyansang, nous apprenons que les découvertes, les 10 couvents de Bamiyan et ses plusieurs milliers de religieux appartenaient à l'école de Lokatravardin. En suivant la pérégrination du Hyansang, nous arrivons au Kapisa. Il dit qu'il y a là une centaine de couvents où l'on comptait environ 6000 religieux qui tous étudiaient la doctrine de grands véhicules, de Mahayana. Et pourtant, il précise que de 3 à 4 lis à l'est de la capitale, il y avait un couvent appelé Narangsa Sangarama, où on comptait environ 300 religieux qui tous étudiaient la doctrine de petits véhicules. Mais déjà du temps de Kanishka, dans la 51e année de son règne, l'un des monastères de Wardak, situé entre Kaboul et Ghazni, appartenait au Mahasangika des Mahayanistes anciens. Pour comprendre le bouddhisme post-couchant, il faut revenir sur deux sites majeurs à Ada et à Bamiyan. Aussi bien à Ada et à Bamiyan, après la mainmise des Sassanides et la destruction de la plupart des monastères, suivie de la restauration par le Kushano Sassanide et la renaissance des Kidarides, le bouddhisme continue à réparer ses cicatrices et s'organiser. À côté des modelages en argile, c'est la peinture murale qui prend une ampleur sans précédent. Mais durant la première moitié du 5e et la première moitié du 6e siècle AD, suite à la présence des nouveaux arrivants, les Eftélites, suivis de la coalition des Turcs et des Sassanides contre les Eftélites, enfin la victoire des Turcs occidentaux, les activités artistiques des monastères cessèrent de fonctionner, sinon subsistaient au ralenti. La paix éphémère instaurée par les Turcs occidentaux prépare le terrain à un renouveau extraordinaire durant la fin du 6e et le début du 7e siècle, constaté à plusieurs endroits. À Bactre, la restauration et réaménagement du grand stupa de Toporostam, à Bamiyan, la construction du grand Bouddha de 55 mètres, l'agrandissement de la plupart des monastères de Kapisa, de Djellabad, de Surkhod, de Ada, par exemple le grand stupa de Tapetopekalan. Avant le retour des Eftélites de l'Inde, l'indépendance de plusieurs royaumes locaux voués au bouddhisme, le culte du bienheureux a atteint un haut degré d'expansion. Au site déjà mentionné, il faut ajouter le site de Kharwar, situé entre Logar et Ghazni, Messainak, Kaboul, Al-Rata de Wardak et Fondokistan. À cette longue période, la peinture murale, aussi bien dans la deuxième moitié du 7e siècle AD et que tout le long du 8e siècle et dans certaines régions du 9e siècle AD, malgré la présence de l'armée musulmane, le bouddhisme résista sans difficulté jusqu'à la conversion des riches laïcs et donateurs à l'islam. Les monastères sans ressources économiques et aide substantielle des laïcs disparurent de sol afghan malgré une certaine résistance dans la région de Bamiyan qui dura jusqu'au Ghaznavid au XIe siècle. Je viens de dire que dans cette longue et dernière phase du bouddhisme en Afghanistan, la peinture murale avait fait un progrès remarquable aussi bien dans l'architecture bâtie que dans l'architecture rupestre. Je prends quelques exemples dans ces deux domaines pour voir si leur analyse nous aide à comprendre le degré de l'appartenance des moines des lieux aux sectes bouddhiques. L'exemple de Padmapani peint sur la façade de la niche E de Fondokistan est choisi par moi parce que quand on connaît la date
Thucydide, grâce à la découverte de plusieurs pièces de monnaie ephtalite, dont l'une sassanite, mais contremarquée par un gouverneur musulman en l'an 689 AD. J'ouvre une parenthèse sur l'art très raffiné de modelage de Fondekistan, qui en soit une combinaison de l'héritage de l'art grec et bouddhique avec les acquis lointains des Gupta et Post-Gupta de l'Inde, en y ajoutant la tendance du moment patronnée par les Ephtalites. Des images du Bodhisattva de ce site de Rorban atteignèrent une grâce et une perfection artistique. Je ferme la parenthèse et je reviens dans le domaine de la peinture murale non loin de là à Bamiyan. Malgré les dires du Hansang dans la peinture murale de Bamiyan et de Karak, nous voyons une certaine tendance mahayaniste annonçant le début de mandala et aussi dans la composition picturale à la voûte de la niche de la statue du Bouddha de 55 mètres, ainsi que dans la niche des Bouddhas assis des groupes E, H et I. Dans ces compositions picturales, le centre de la partie haute est occupé par Bodhisattva Maitreya, qui est représenté dans le ciel de Tushita. En effet, il est représenté tel un seigneur du monde céleste selon le sutra de méditation sur la renaissance de Bodhisattva Maitreya et le sutra de la renaissance de Maitreya au ciel. Il est dit que Maitreya résida dans le ciel de Tushita avant de descendre dans le monde d'ici-bas dans un futur lointain. Le ciel de Tushita est le monde des satisfaits, voluptueuses, comme l'indique son nom qui dérive du terme Tushita et qui signifie en sanskrit satisfait. Mais dans la composition de la voûte de la niche du Bouddha de 55 mètres, de l'image centrale, c'est-à-dire de Bodhisattva Maitreya, il ne reste pas grand-chose. L'artiste de Bamiyan ne présente pas avec exactitude les détails grandios de celle de Tushita, tels le jaillissement de la lumière, source de la création et transformation des joyaux en des palais, des palissades en rangées d'arbres et en êtres vierges célestes, à moins que les détails de l'architecture furent réduits ainsi les rangées des arbres. Il se pourrait que l'artiste de Bamiyan se soit inspiré du sutra de Lotus de la vraie doctrine, qui dit que le Bodhisattva Maitreya est entouré de troupes de nombreux Bodhisattvas. De même, la représentation des arcatures composées d'alternance des arcs normaux en forme de trapèze abritait les Bodhisattvas, soit plus près du texte de ce dernier sutra. Les traits particuliers de la terre pure de Tushita de Maitreya, comme il est dit dans le sutra, se traduit par d'innombrables apparitions des vierges célestes ou encore des créatures d'une beauté incomparable. Elles jouent de la musique et vénèrent le Bodhisattva. Pour compléter ce chapitre sur la peinture murale, je dois retourner à Ada, précisément à la grotte de la méditation de Tapeshotar. C'est une grotte à moitié souterraine creusée dans la masse de conglomérat dans la partie sud-ouest de la petite colline sur laquelle fut bâti le monastère de Tapeshotar. Elle mesure un peu plus de 9 mètres de longueur, à peu près 3 mètres de largeur et un peu plus de 2 mètres de hauteur. Elle apparaît comme une galerie voûtée. Elle est décorée de la peinture murale très spécifique, de grande importance iconographique, mais l'exécution rapide, voire sommaire, faite par un public initié, sans doute pour les moines de monastère uniquement. En bas des parois, on voit la représentation des tentures de couleurs noir et rouge, et la paroi du fond en face de l'entrée, noire et blanche, sur les longs côtés, paroi latérale et est et ouest. Toujours aux parois est et ouest, immédiatement au-dessus de la tenture
au-dessus de la tenture, toujours par, immédiatement au-dessus de la tenture, ont été dessinés des rinceaux végétaux composés de feuilles de fleurs et de fruits exotiques. Le tout rythmé par une paire de fleurs carnivores tropicales appelées Nepenthes. La fleur de gauche, en tombant à la verticale, termine un cycle de la mort, un cycle de la vie. Tandis que la deuxième fleur s'étire vers la droite pour donner la vie. Ainsi, ce double mouvement suggère une continuité des vies successives. Les images saisissantes de cette grotte sont avant tout les représentations de l'image de de la mort sous les traits d'un squelette et des 10 disciples du Bouddha répartis de part et d'autre de la mort. 2 sur la paroi du nord, à droite et à gauche du squelette, 4 sur les longues parois est et 4 sur la paroi ouest. Comme il se doit, la paroi du fond en face de l'entrée est la paroi la plus importante. Et par ordre d'importance, le grand disciple Shariputra se trouve à droite, Moggallana se trouve à gauche. Tous les deux sont représentés en plus grand que les et exécutent la variante de la Dharmacakra Mudra. Ils sont donc représentés en prédication et enseignement. Par contre, les 8 autres disciples répartis sur les parois orientales et 4 sur la paroi occidentale sont représentés plus ou moins légèrement plus petites. Ils sont tous en méditation et les flammes jaillissent de leurs épaules. Je reviens. De cette série, je commence par la représentation du numéro 3 dans l'ordre d'importance, c'est-à-dire Anuruddha. Aniruddha, et qui est dessiné par moi, qui est dessiné sur la paroi orientale. Kashyapa est en 4e position, et placé sur la paroi occidentale. À la 5e position, à la place de Subhuti, j'ai fait une nouvelle lecture, Sudarsana. Cette lecture ouvre une nouvel horizon pour la recherche de l'histoire du bouddhisme dans le nord-ouest de l'Inde et surtout sur la présence des Mula Sarvastivadin à Ada. Nous savons qu'avec Krishna, Sudarsana fut l'un des 2 premiers maîtres de la secte de Mula Sarvastivadin. La date tardive de cette introduction dépend de celle de l'exécution des peintures de notre grotte entre le 5e et le 7e siècle AD. En 6e position se trouve l'image de Maitreyaniputra sur la paroi occidentale. De l'image de 7e disciple, sans doute Katyayana, il ne reste plus rien sur la paroi orientale sauf quelques plis de vêtements. En revanche, on voit très bien sur la paroi occidentale en 8e position le grand disciple Ananda. En revanche, la 10e disciple qui se trouve en rentrant le premier sur la paroi occidentale, d'après ma nouvelle lecture, n'est autre que le célèbre patriarche Upagupta, qui fut contemporain et conseiller spirituel d'Asoka et le fondateur de la secte de Sarvastivadi. Nous venons de voir que les fouilles archéologiques menées à bien sur le sol afghan par les missions archéologiques officielles ont livré d'importantes documentations sur le bouddhisme et sur la migration, sur la transformation artistique et surtout sur la création de l'image du Bouddha. En revanche, le fouille clandestine et le pillage du patrimoine bouddhique de ces 30 dernières années ont faussé la recherche scientifique. Des manuscrits de provenance incertaine ont été publiés venant de Bamiyan ou ailleurs. Connaissant bien Bamiyan, tout cela me paraît un peu arbitraire. En ce qui concerne la structure des monastères bouddhiques de l'Afghanistan, les fouilles
ont démontré une continuité depuis l'Inde, le Gandhara, le Swat, le Kapisa et l'Asie centrale. Dans le texte, il est dit qu'un monastère devrait être construit ni trop proche des villes et des villages, ni trop loin. Trop proche empêcherait ou perturberait la méditation des moines. Trop loin serait l'équivalent en temps de la distance à parcourir par les moines d'un pas raisonnable afin d'aller faire la quête de nourriture à un village et pouvoir revenir et partager l'unique repas avec les membres de la communauté vers 11 heures. À part de rares monastères construits à l'intérieur d'une ville, comme dans celle de Taxila II, l'antique Sirkap, également les monastères ont été construits à l'extérieur des villes et sur le côté ou autour, selon la topographie des lieux. Ces monastères avaient un plan bipartite composé de deux quadrangles. Le premier était réservé pour les grandes, réservé pour une grande cour autour de laquelle s'articulaient les viharas des moines et parfois la salle de réunion pour Sodagara. Le deuxième était destiné à la construction des stupas et les chaityas voués au culte, culte public. À ce propos, j'ai choisi deux exemples, l'un montrant le plan du monastère du Gandhara et l'autre celui de Bargai à Ada. Si le plan bipartite se développe différemment, cela dépend de deux facteurs, soit la topographie des lieux fractionne la cohérence du plan de base, soit la longue durée dans le temps crée des adjonctions comme à Kalawan, Gandhara, et Tapeshotar à Ada. Tapeshotar. La topographie accidentée des lieux crée une sorte de dislocation des monastères des montagnes. Au lieu qu'ils soient conçus en deux parties initiales, l'une réservée au logement privé des moines, l'autre public pour le culte public. Nous constatons plusieurs ensembles de cette sorte comme dans les monastères de Jamalgari, Tareli, au Gandhara et Tapinarenj à Kaboul. Les relations des monastères des montagnes avec les villes proches n'ont pas été étudiées d'une façon efficace jusqu'aux fouilles de Messaïnag. Je ne m'attarderai pas sur les fouilles de Messaïnag d'une façon générale, puisque j'ai eu l'occasion de m'y consacrer à plusieurs reprises et que ma fille, Nadia Tarzi Sakardi, l'a fait dernièrement devant vous ici à Bangkok. Ce qui me paraît important dans le cadre de ma recherche sur les relations des monastères bouddhiques et les villes dans l'Antiquité, c'est de rechercher les raisons de la fusion de l'habitat civil, économique, industriel et religieux sur les îles de Messaïnac. Il est vrai que le cas de Messaïnac est exceptionnel. Il s'agit de la construction d'une ville et des monastères bouddhiques sur les gisements miniers de cuivre. Je me permettrai d'imaginer la première phase de l'installation de Messaïnac qui devint une simple bourgade dans la vallée et son développement vers l'extraction minière. Comme partout en Afghanistan, à partir des Sakas, les premiers couchants, la construction des monastères loin des bourgades avait commencé souvent au sommet de vallonnements et aussi près des sources d'eau. Je pense qu'au temps des grands couchants, l'extraction minière dépendait du pouvoir central. C'est à partir du 4e siècle AD, à la lumière des fouilles, qu'on constate que les habitats civils entourent les monastères. Vers 6e siècle AD, profitant des guerres et de la faiblesse du pouvoir central, des groupes de chercheurs d'or, de verre et de cuivre formant des confédérations liées avec trois matériaux nobles qu'on trouvait à Messaïnac occupèrent la totalité des surfaces à exploiter. Ainsi, les monastères bouddhiques se virent entourés de très près par les habitats non religieux, par les ateliers d'extraction et de métallurgie. En dehors des documents et des textes à propos de Messaïnac, je suis en train de proposer des hypothèses. Et pourtant, cette osmose créée
entre l'habitat civil et les monastères bouddhiques, entre confédération de corps de métier d'une part et le pouvoir religieux bouddhique avec autant d'évidence d'autre part, n'a jamais eu d'antécédent. L'exemple de Messaïnac mérite qu'on ouvre un nouveau dossier sur la contribution et le rôle des monastères bouddhiques dans les affaires économiques d'une région. Kam Kun Krap. Thank you very much, Dr. Simile Tarsi, for the very good knowledge on the history of Buddhism in archaeological perspective and recent research. ครับขอบพระคุณนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.เซมายาลัยทาซีนะครับกับหัวข้อการบรรยายประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดีนะครับจากนี้ไปพระอาจารย์หรือว่าท่านผู้มีเกียรติมีข้อสักถามหรือมีประเด็นที่อยากจะเพิ่มเติมกับท่านวิทยากรไหมครับถ้ามีก็ยกมือนะคะเดชนะครับเรามีไมค์อยู่ในพื้นที่นะครับสามารถยกมือแล้วก็ถามคำถามหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับมีไหมครับอ๋อครับเรียนเชิญครับ Yes Professor Tarsi my name is Kit Chai what you have shared with us this morning is very meaningful in terms of Buddhism history and this is I can say the first time we have know of these stories I have a question that whether are there any more excavation on something like the cave you have shown us latelyconcerning the skeleton and device for meditation. Any more excavation on these kinds of cave, please? Il te remercie pour ta présentation de tout cœur parce que ce sont des informations dont ils n'ont jamais entendu parler auparavant. Donc ils te sont très reconnaissants et ils aimeraient savoir s'il y a de nouvelles fouilles ou encore des fouilles qui sont faites sur la grotte de méditation.Non, malheureusement, la grotte de méditation est détruite pendant la guerre civile. Unfortunately, the meditation cave was destroyed during the civil war, so there is no more excavation there. Well, thank you very much. It's very regretful. Thank you. C'est regrettable. Merci. ครับท่านใดนั้นขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้ท่านศาสตราจารย์ดร.เซมายาลัยทาซีนะครับขอบพระคุณครับ